Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Factorio Multinoobs. On se retrouve avec Katox. Salut Katox. Salut. Et on était donc dans une session logistique qui va mettre, je pense, encore un petit peu de temps à se terminer. Puis je peux pas non plus laisser Katox tout faire en off pendant que je fais des trucs intéressants. Ce serait un peu salaud. Hop, on a des trucs rouges ici, donc on va transformer un peu tout ça. Hop. Ah putain, c'est déjà quand même. J'en ai déjà plus quoi. Ouais, il va falloir que je mette aussi en route une fabrication ici, c'est pas possible. Est-ce que les engrenages qui sont là, je pourrais les récupérer? Je pourrais. Ouais, le problème c'est que les moteurs ils en consomment un max aussi quoi. Je pourrais genre les récupérer avec lui. Je fais une recette de convoyeur souterrain, il lui faut quoi? Ah, il faut des convoyeurs souterrains normaux, forcément. Est-ce que j'ai la place de poser un coffre? Je pourrais poser un coffre là à l'arrache. Virer ce poteau, faire un grand poteau, histoire de couvrir un peu plus. Il me faut un coffre en fer également. Alors, un coffre en fer où on mettra les normaux, un coffre en acier où on mettra le résultat. Il me faut deux grands bras. Donc, un où on décharge, un où on charge. Et le poteau, on le met là et tout le monde est alimenté. Ok, donc du coup, celui-là, il faut qu'on l'inverse de sens. Voilà. Et ici, il faut qu'on foute des normaux. Alors, on va en démonter quelques-uns. Voilà, et on les met là. Comme ceci. Voilà, normalement il faut un max d'engrenage, donc ça va prendre des plombes. Mais bon, c'est la vie. On va bien vampiriser cette production, hein, mais tant pis. Faut ce qu'il faut. Et ici c'est bien ce que je pensais, on l'a vidé. On va virer ce tampon en fait. Il sert à rien à part faire chier le monde. Voilà, comme ça au moins ça dépote. Ça dépote comme ça peut dépoter. Ici on s'en fout. Ici on charge. On charge, on charge, on charge. Pourquoi ils fabriquent pas plus eux? Parce qu'ils peuvent pas aller plus vite. Ok, très bien. Allez, ça va accélérer un peu la production. Ici, on charge ceux qui sont à transformer. Parfait. Presque le coup que je fasse un truc d'engrenage exprès. Mais bon, il y en a quand même 4 ici là. Allez, on continue. Hop, 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 raté, ah oui, ça surligne pas, mais ça transforme bien, ça c'est un. Je me suis un peu fait avoir. C'est pareil, il faudrait que je fasse des comme ça, mais il faut aussi des engrenages, putain. Bon, bah du coup là c'est reparti, il nous faut un peu de comme ça. Hop. Et on veut des répartiteurs rapides. Il faut surtout du fer. Hein. On a du fer maintenant, on est d'accord. Hein.
Oh. On a sécurisé un peu ça. Le fer, ça devrait pas poser de problème. Hop. Hop, 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 hop. Merde, trop. Hop, voilà, ici c'est complet au moins. Ah, ici on a une bonne petite production. On va ponctionner dedans comme un gros sac. Ouais, mine de rien, ça marche les tapis rouges, hein. Ça dépote vachement plus. C'est pour ça qu'on nous a fortement conseillé de tout passer en rouge. Franchement, je vois pas après, hein. Là. Là, en fait, la stratégie de se dire on débloque une nouvelle tech, on se met à utiliser que la nouvelle tech, elle paraît tellement, tellement logique, mais en fait, juste on l'a pas fait quoi. On a débloqué plein de tech, un peu comme ça, la nique, et puis. En même temps, on les a débloqués un moment tellement vite que tout ce qu'on avait à Ouais, faire, c'était. attendre. Voilà, on était un peu occupé à faire d'autres trucs et du coup, bah, au final. Alors ici, c'est dans ce sens-là. Ici, hop, voilà. On va aller récupérer quelques trucs, ils ont dû se faire. Il est où mon. Il est là. 4, putain, c'est lent. Ah, mais il n'y en a plus ici, forcément. Faut pas que j'oublie d'aller recharger au fur et à mesure parce que sinon. Ça ne marche pas forcément. Voilà. Hop là. Ici c'est plein, mais on va le faire quand même. Ce sera fait. Ce qui est cool, c'est que ça s'affiche en rouge quand t'as déjà transformé, comme ça au moins. Tu te gourres pas. Et je pense que cette livraison de cuivre là, ce serait pas mal de l'améliorer aussi. Voilà, parfait. On va se mettre dessus. Arrêtez-vous. Trois, il y en a un que je peux pas faire quoi. Sérieux, voilà. Repassons chercher quelques rouges. Hop, on va continuer de transformer. De toute façon, il faudra tout transformer. Donc, on va tous ceux qu'on voit, on les transforme. Hop, ici on charge cela. Qu'est-ce qui se passe? Un train sans combustible. Ah merde. Le château elle est sauvée, mais je suis en train de C'est le train préparer du un peu. charbon en plus. Ouais, je vais Je aller vais. le. Je n'en T'es bouge là pas, ou? j'y vais, j'y vais, j'y vais. Genre où? Ça laissera le temps aux productions de se faire un peu, puis je poserai des tapis en revenant. Je chope le temps que j'y vais. Raté, ça c'était l'arrière ça. Les petits trains. J'arrive. Avant qu'ils se fassent attaquer par quelque chose et bouffer. J'ai sauvegardé juste au moment où je passais sur un signal, j'ai cru que je l'avais défoncé quoi. Non, pas les signaux.
Le train de charbon qui a plus de charbon, c'est quand même un peu la tristesse par contre. C'est vrai que je pourrais juste faire un genre une petite sortie qui les recharge en charbon automatiquement, j'y ai pas pensé. Merde, il s'est barré. J'ai pas eu le temps de le recharger à fond. Ouais, c'est pas grave, je vais monter, je vais faire une petite. Non, bah attends, j'y vais. Je suis à côté donc. Je vais m'en occuper. Je vais aller lui remplir sa dernière stack et puis. Arrête-toi, putain, le temps qui veut pas s'arrêter, du coup je suis obligé de freiner dans un mur plutôt que défoncer le train. Toujours efficace. Alors du coup, on va rallonger un peu. Ici, c'est trop loin, donc on va faire un truc comme ça, et puis pouf. Normalement ça devrait marcher ça. Enfin, encore faut-il qu'on arrive à aller suffisamment loin. On a suffisamment de charbon en fait. Enfin, il n'y a pas assez de charbon, vous êtes sérieux? Est obligé de faire ça, c'est un peu con, mais. De toute façon, il sera. Hop, voilà. Il sera vite plein, et puis comme ça, on n'en parlera plus. Voilà. Ah, le bras ne charge pas le charbon. Parce qu'il est plein? Bah non, pourtant il est pas plein. Ah, c'est triste ça. On peut pas charger un train. Attends, si j'enlève tout. Ah, c'est con ça. C'est tout naze. Si on fout un bras plein de charbon vers le train, ça le charge pas. Sérieux? Ah ou alors attends j'étais peut-être une caisse trop bas. Ah non j'étais peut-être une caisse trop bas. Attends, on va le laisser revenir. En attendant, on va s'occuper de changer tous ces tapis. Voilà, bon là j'ai fait une petite diversion mais c'est pas grave, comme ça c'est plein et on n'est plus emmerdé. Non, c'est parce que je pense. C'est peut-être parce que le train est trop grand en fait. Du coup, je pensais arriver sur lui, en fait, j'arrivais une case au-dessus. Je vais attendre qu'il revienne pour être sûr, mais. Je pense que ça doit plutôt être ça. Ici. Je vais pas avoir assez, non, j'ai pas assez, c'est bien dommage. Ah, mais il est coincé en plus là, il est en train d'attendre à son feu. C'est ballot ça. Comme on n'a pas de radar, je vois pas où il en est lui. Wagon vide ou 120 secondes écoulées. Ah oui, t'avais mis 120 secondes. Oh, c'est pas con ça. Ouais, parce que sinon, parfois, il reste jusqu'à ce que ça soit vraiment vide, mais du coup, l'autre n'apporte pas. Bah oui, non, mais t'as raison, c'est. C'est franchement pas mal les conditions, hein. Pour Ouais, bah, le. ces conditions-là, ça, c'est évident. Par contre, les conditions avec les circuits, moi, j'ai rien compris. Ouais, bah si, moi j'ai compris. Puis il y a Zikino qui a fait une petite explication aussi en commentaire sur Peertube si tu veux aller jeter un oeil. Mais en gros, les feux de base ils s'activent quand le train passe. Alors que les feux. Enfin, les circuits chaînés là, tu sais, les feux chaînés là, ils surveillent l'état du feu qui est après. Du coup, si tu associes les deux comme on a fait là, bah quand le train passe, il passe son propre feu au rouge et du coup le circuit chaîné derrière, il surveille l'état du feu quoi. Ouais, c'est toi qui vas t'en occuper, c'est bien. Je pense que les circuits logiques, ça va être du même style du coup. On a terminé de construire nos switchers là. Ah mais il n'y en avait pas d'autres.
D'ailleurs, pendant que j'attends, là, je peux peut-être. Non, il me faut des engrenages, putain, je peux pas en fabriquer à la main. Hop, voilà. Il me reste combien? 9 plaques d'acier seulement. Ah, et puis du coup, je peux décharger des trucs dans le réseau logistique. Avec l'armure maintenant, je sais pas si t'as vu. Ah, mais je sais pas comment on fait ça. Bah, en fait, normalement, enfin pour l'instant on n'a pas, mais quand on aura des robots, tu peux avoir du coup un réseau logistique qui est composé de coffres, hein, tout simplement. C'est des coffres bleus, des coffres rouges, des trucs du genre. Et du coup, quand tu lui mettras des objets là-dedans, bah, il ira tout seul les décharger dans un coffre. T'as un robot qui arrivera, qui prendra ton truc dans ton inventaire, puis qui ira le poser. Ça c'est sympa. De ce que j'ai compris, c'est censé se passer comme ça. J'ai jamais vu en action, donc... On verra bien. On verra bien. Alors là, du coup, on va jeter un oeil. Est-ce que ça charge bien le train? Ouais, c'est bon, ok, parfait. Le bras recharge bien le train, c'est juste que j'étais... J'étais trop loin tout à l'heure avec mon bras... Allez, on reprend la voie ferrée. Hop, c'est parti. On descend. Hop là, on esquive la petite falaise. L'autre train, je sais pas où il est, mais il est pas là en tout cas. Bah, je vais l'autre train, je vais le faire alimenter par. Par l'arrivée en charbon, en fait. Je vais pas me fatiguer. Hop, ce mur-là est détruit, c'est bien triste. Ce mur-là qui est un peu cassé. Et toi, t'es un peu cassé. Parfait, on est reparti. Retournons à Zanomouton. Tout ça faut qu'on le transforme en rouge parce que c'est franchement pas possible. On va passer ici, hop, charger ce qu'on a ramassé. On a même pas ramassé, merde. Bon bah du coup on va récupérer ça. Hop. C'est trop loin. Je peux passer? Non, ah putain, je suis dans les tuyaux. Hop. Il n'y avait plus que lui qui était rouge, qui était pas rouge, pardon. Ici, et voilà, on a fait le plein. Alors ensuite, on reprend ce coffre et on les remet dedans. J'ai l'impression que c'est un pour un. La recette, c'est deux convoyeurs qui créent deux convoyeurs rapides. Ok, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on n'a pas de perte sur cette migration, mine de rien. Ça c'est bien. Il va où ce truc? Il fait rien ce truc? C'est quoi ce... D'accord. Bon, ça devait être un misclic de ma part. On va dire que ça change pas de d'habitude. On va le balancer là du coup. On aura un décalage comme ça. Bah c'est vrai que j'ai peut-être retrouvé enfin le convoyeur souterrain rouge que j'avais perdu. Enfin, bah, celui le jaune toi. De quoi? Celui de l'acier. Si tu suis la ligne de l'acier, à un moment il part sous terre et puis. Voilà. Ah bah ça doit être celui-là, ouais. Du coup. Que j'avais un nombre impair depuis 20 épisodes de convoyeurs souterrains, puis là j'en ai retrouvé un que j'avais posé n'importe comment et qui du coup m'avait rattrapé mon ratage. Ça va dans quel sens là? Ça va dans ce sens là. Hop. Et hop. Hop. Ici, c'était transformé ou pas? Oui. Donc on va finir le truc de cuivre. Merde, putain. Mon chat qui fait des bêtises. C'est un chat, c'est la base. C'est vrai. Il vit pour faire des bêtises. Il vit pour faire.
Il vit pour emmerder le monde. Hop. Hop. Ça sert à rien, ça sert à rien. On vire. Ça et ça aussi. Hop. Hop, 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 hop. Un comme ça. D'ailleurs, on va changer aussi ici, là. Hop, et hop. On peut relancer la production de quelques-uns ou j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Dommage. Ok, bon, bah ici c'est pas mal, il faut qu'on en retourne faire un petit stock de plaques de fer, on va s'occuper de l'arrivée en plaques de fer. Ah ouais, les tourelles, on les sent. C'est pas très rassurant ouais. Sur notre capacité à fournir de l'énergie d'ailleurs, mais bon. On n'a pas le choix. Ah, t'as déjà transformé tout le fer en fait en... Ah non, pas tout à fait. Il y a des bouts où c'est encore du jaune, je vois. Ouais, j'ai surtout fait une... raccorder un peu, parce que... Vu qu'on utilisait une ligne pour... uniquement pour faire des munitions, je l'ai raccordé au reste, et puis... Le ah, tampon, oui. Ça m'énervait oui. Tellement que j'ai essayé de faire un tampon par... C'est quand même bien fait parce qu'on voit à chaque fois juste un tout petit peu la couleur du tapis, même quand il est plein. Ça aide un peu à faire la transition. Ok, petit à petit. Hop, putain, ça consomme, hein. La vache. Hop, hop. Ça c'est bon. Comment ça, t'as pas de... Tu fais rien toi, ici t'arrives, t'as pas de carburant. C'est quoi ce délire? Ah putain, il a l'envers le bras. Bien ouais, le bras de chargement du four qui était à l'envers depuis sans doute depuis qu'il a été posé. Sur le four du milieu là. Pouf, de toute façon, ouais, on a que 4 qui fonctionnent, je crois. C'est clair, hein, c'est un peu la fin. Ouais. On est d'accord. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Un petit truc ici. Cela dit, c'est pareil, hein, ça va peut-être aller un peu mieux si on passe toute la pierre en... Enfin, quoi que non, ça va pas augmenter la production. Ça va juste plus vite aller lentement, quoi. Oui, cette phrase était totalement épique. Ouais. Comme rarement dans cette série. Il y a de plus en plus de moins en moins à craindre, c'est ça? C'est ça exactement. Pour ceux qui ont la ref. On va en prendre un peu là. Ça fait chier. On va même tout prendre hein, parce que de toute façon j'en ai besoin d'un max. Voilà. Hop. Ah, comme ça au moins il s'emmerdera pas pendant que je poserai des tapis. Il va bosser. Pareil, hein, je pourrais normalement, théoriquement, j'imagine, demander à des robots de faire ça pour moi, ou genre de truc, mais... On va quand même pas tout rendre optimal du premier coup. Ce serait trop. Bah, après, ils s'ennuieraient, les viewers. Ouais, ça, faut comme du fail. Faut qu'ils puissent s'arracher les cheveux en disant, mais pourquoi il avait ça?
Ouais, là tu vois, tu t'imagines bien le viewer qui est ici, il y a un tapis, t'as oublié, ici, il y a un tapis. ouais. Et après qui fera 02 minutes 47 secondes, le tapis en B4 6-3, il est pas bon. De 0 seconde à 30 minutes, globalement vous êtes mauvais. Plus ou moins quoi. Plus ou moins, on n'est pas. C'est pas. Plus ou moins 30 minutes quoi. Ça, une vache près, c'est pas une science exacte. Hein. Oups, échec. Alors, est-ce qu'on craftait des éléments de moteur quelque part? Oui, je pense que oui. Mais Oui, où? ils sont au niveau des trucs de recherche. T'en as plein. Marcher. T'as plein, plein, plein de moteurs pour les potions bleues de mémoire. Au niveau des potions bleues. Pourquoi je me mets pas sur ce tapis? Là, j'ai du soufre. Toc, toc, toc. Ici où je suis. Ah bah oui, là juste là, là il y a un coffre, tu vois, avec du moteur et des composants rouges là. Ah ouais. Parfait. Alors ici, est-ce qu'on a quelques trucs souterrains à mettre? Non, donc il faut qu'on en transforme quelques-uns avant. Alors, ça va commencer à être loin pour aller en transformer. Le personnage, il est trop fort, hein. Il crée une locomotive de ses propres mains. Ah bah attends, hein, il s'est pas créé de l'acide sulfurique de ses propres mains, par contre une locomotive, on est sur quelque chose de... C'est basique, quoi. Bah de trivial, ouais, je veux dire... Si t'as pas fait une locomotive de tes mains à 50 ans, t'as raté ta vie, quoi. Ça, quoi. Ça et la Rolex. Hop là. Tu m'expliques pourquoi t'as des convoyeurs 1, voilà? Non mais tu vas me les transformer plus vite que ça? Ah non, il faut des circuits électroniques, du coup tu vas ne pas les transformer plus vite que ça. Tu vas me ramasser du cuivre hein, plus vite que ça. Je lutte, je lutte. La vie est une dure lutte, n'est-ce pas? Ça. Alors, on va aller récupérer des rouges et poser des jaunes. Parce que mine de rien, il les consomme, hein? Pas croire, hein? Allez, on continue. Hop, 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 hop. Hop, hop. Alors, toute cette zone-là, c'est pas fait. Ah, je suis trop loin. Raté. Un jour, j'y envoie du premier coup partout. Et ici, on a même un petit convoyeur souterrain. Voilà. On va finir le charbon et on va aller s'occuper de la pierre. Ah, la pierre, ouais, il va falloir aller en retrouver. Bah normalement j'ai nettoyé un peu les nids, c'était un peu le concept de pourquoi je m'étais fait buter. Mais bon, c'est possible que... T'avais cherché laquelle de pierre du coup? Celle qui est à l'est? À l'est, ouais. Bah t'en as que celle-là, non? Ouais, je vois que De celle-là. toute façon. Bah, du coup, on refera deux stations. Parce qu'on fera une station de pierre et une station De de cuivre, cuivre. ouais. Ouais, il va falloir. Il va falloir, il va falloir. Je suis d'accord. Ici, ici. Je vais peut-être faire le fichou et faire une seule station avec des bras filtrants. Non, parce qu'il va falloir que du cuivre, ça arrive. Ouais, non, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui soit en comment? En Alors je trop fais des plein et ça va libérales. foutre la merde. En station d'arrivée ou station de retour, tu veux dire? Enfin, de départ. Station d'arrivée. Ouais, bah ça Donc les par deux contre, trains arrivent à la même station, quoi. ça c'est possible si tu veux, je te ferai les signaux et tout. Alors je sais, les puristes crieront, mais... Pas tout, hein. S'ils ne criaient pas, ils ne seraient pas des puristes. Non, je vais faire deux stations différentes. Parce que de toute façon, tout le bloc qui convertit la pierre en bloc de pierre, on peut le descendre un peu, donc je le ferai sur le côté. Ça facilite, enfin, ça changera pas grand-chose, du coup je ferai ça. Ouais, du coup, c'est pas top parce que j'ai une arrivée de deux. C'est une arrivée de deux wagons de cuivre alors que j'en voudrais trois. Bon, j'ai remonté un peu tout le truc, hein. Je vais faire le truc dans l'autre sens. C'est pas grave, c'est pas grave. Restons positifs, restons positifs. Bloqué sur quoi là?
Ah tiens, il y a une attaque qui arrive. Vite, regardons un poteau. Elles sont où les tourelles? Ah ouais, Est-ce que 12 au moins... mégawatts quand même les tourelles quand tu tires, ça déconne pas. Maximum, consommation maximum, 1,34 mégawatts. 30 mégawatts, ouais. 30 mégawatts de tourelles, ouais. Ça pique un rien peu. Que par là où ils attaquent, t'as 18 tourelles. Après, on voit aussi que la production explose. Hein. Quand, ah, mon avis, oui. Quand elle s'excite, quoi. Donc les machines à vapeur ont encore un petit peu de peps en réserve en cas de besoin. Mais par contre, je comprends pas pourquoi. Ah non, les accumulateurs sont pleins. Ah oui, donc ils produisent pas, ils sont pleins en fait. D'accord, ok. Est-ce qu'on a fait des rails quelque part? Est-ce que je vais en refaire à la main? J'avais commencé à en fabriquer pour les potions, enfin prévoir le truc pour les potions jaunes, je crois, ou violettes, mais j'ai pas fini. Donc du coup, je crois pas qu'on ait de production massive quelque part de ça. Faut faire... Ah mais il faut de la pierre et pas des blocs de pierre. Ouais, il faut de la pierre, ouais. Oh, bah, je vais le faire à la main. Je vais aller voler de l'acier à ne plus savoir quoi en faire. Ici c'est pas mal. Yep 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 yep. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et des trucs de ce genre. Voilà. Bon, petit à petit on remonte en mettant du rouge. Hein. Ici c'est déjà du convoyeur rapide ici. Et ici aussi, parfait. Raté. Bon, il continue de bosser pendant ce temps-là, donc comme ça au moins il fabrique des trucs pendant qu'on pose les. Hop, 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 hop. Hop. Allez, on attend la fabrication de celui-là. Et on arrête l'épisode qui est suffisamment long, bien assez long. J'espère du coup que cet épisode vous aura plu, au moins on blague, hein. Ouais. C'est toujours ça de pris. Il va y avoir, de toute façon il va falloir qu'on sorte de la base, s'occuper un peu de finir de nettoyer les saloperies, donc je pense que ça va venir. Je sais pas pourquoi t'avais besoin de tes moteurs d'ailleurs, pour faire un tank ou un truc du genre, non, une locomotive. Ouais, pour l'arrivée de pierre et de cuivre. Effectivement. Effectivement, bah du coup on se fait ça lors du prochain, je propose, si ça te va. N'hésitez pas en tout cas à laisser un petit commentaire, dire ce que vous avez pensé. Si jamais vous avez une méthode miracle pour remplacer tous les tapis jaunes par des tapis rouges, eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous le dire aussi, on aura sûrement fini d'ici là, mais ça sera toujours utile pour la prochaine partie. Ça on saura pour la prochaine fois. C'est ça, ouais, on se dira, on pourra se lamenter en direct tous les deux. Quoi qu'il en soit, je vous remercie en tout cas de suivre cette série, parce que malgré le fait qu'on galère, on voit bien que ça vous plaît, donc ça fait franchement plaisir. Laissez un petit pouce, un petit commentaire, faites-nous des bisous, souhaitez-nous bon courage, et on se dit à très bientôt pour la suite. Salut.